Une femme se pose la question, elle se demande pourquoi son homme la trompe. Vous savez, on n'a jamais la bonne réponse. Ouais. C'est malheureux, mais la femme se demande souvent, je suis une belle femme, j'ai toutes les qualités qu'une femme peut avoir, je satisfais mon homme, je le mets à l'aise, je suis bien avec lui, je le respecte, tout ce que les hommes peuvent aimer. Mais cet homme a toujours tendance à tromper la femme. Alors, pourquoi les hommes trompent? D'une part, on peut se dire que l'homme est encore immature, il a envie de s'amuser, il n'a pas encore compris, au fait, la vie, on va dire. C'est un homme, au fait, qui peut tromper sa femme en tombant en tentation. Ça peut arriver, il tombe en tentation et le mal arrive, il trompe sa femme et il regrette lui-même. Il se demande même « qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi j'ai fait ça ?» Mais c'est arrivé. C'est pour ça qu'on dit « fouiller la tentation ». Et quelque part, il y a aussi des hommes qui peuvent tromper les femmes en état de colère après une grosse dispute. L'homme, il trompe la femme. C'était pas dans sa tête, c'était pas prémédité, mais après cette dispute, il était en colère, il s'est peut-être retrouvé dans un bar ou quoi, il s'est saoulé, voilà, il est tombé en tentation. Et il y a aussi certaines femmes, au fait, qui refusent de s'accoupler avec un homme parce que voilà, il y a beaucoup de problèmes, elle se dit, allez, je me retire un petit peu, je veux le punir un peu, il va rester un peu comme ça. Et l'homme, au fait, c'est pas comme la femme. Les hommes ont du mal, au fait, à supporter le fait de rester très longtemps en... Comment le dire? On va le dire. Les hommes ont du mal à rester très longtemps à pas faire l'amour. Voilà. Et parfois, il y a des hommes, quand c'est trop, ben, ils tombent en tentation. Il y a aussi la routine. La routine, il y a les enfants, il y a peut-être une naissance, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Et ce que je peux dire simplement, c'est que les hommes, s'il vous plaît, vous êtes des hommes. Prenez quand même vos responsabilités. Quand on dit un homme responsable, c'est pas seulement donner l'argent à la femme, s'occuper de ses enfants ou aller travailler. Non, la responsabilité aussi d'un homme, c'est de respecter la femme, c'est de respecter leur intimité. C'est de respecter aussi ton intimité, c'est-à-dire tu ne vas pas aller traîner auprès de toutes les fesses qui bougent, au fait, auprès de toutes les femmes. Non, respecte ta femme et tes enfants ainsi que ton foyer, c'est très important. Et tu verras, Dieu te bénira. Il y a beaucoup des hommes qui ne sont pas bénis parce qu'eux-mêmes, ils font tellement des bêtises. Les hommes, s'il vous plaît, grandissez, soyez matures et respectez vos femmes, c'est très important. Peu importe ce qui peut se passer. Voilà.